Christian Bonnet. Bonjour Bob Garcia. Vous êtes la bonne personne au bon endroit, j'ai envie de dire, puisqu'on est au festival Livre et Musique de Deauville, et vous allez présenter tout à l'heure une conférence musicale autour du jazz et de la littérature, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Raphaël, qui est la DA ex machina du festival de Deauville, en fait, a eu l'idée de présenter un concert moitié lecture de textes littéraires sur le jazz et moitié concert de jazz. Donc, il y aura au programme ce soir des extraits de textes d'écrivains américains qui ont écrit sur le jazz, bien entendu, et français. Ce sera relativement éclectique au niveau géographique. Qui a choisi ces textes ? Comment vous avez travaillé, procédé ? La ville de Deauville, Raphaël encore, une fois de plus, a été l'artisan en fait des choix. J'ai apporté ma petite contribution, notamment en soulignant que Henry Miller, entre autres, avait en son temps, lui aussi, chanté les louanges de certains grands musiciens du jazz, en particulier de Louis Armstrong, dans Le Colosse de Maroussi, qui n'est pas son œuvre la plus connue. On connaît mieux ses œuvres plus sulfureuses, les Tropiques, mais dans Le Colosse de Maroussi, il y a des dizaines de pages sur Louis Armstrong qui sont d'une beauté absolument formidable. Et comment se déroule cette conférence ? Alors c'est lu par un comédien et il y a des interludes musicaux ou c'est après ? Comment ça se passe concrètement ? En fait, on va alterner les lectures de textes et des musiques. Alors évidemment, c'est le groupe Sylvia Howard, accompagné par le Black Label Swingtet. Bien sûr, c'est votre groupe. Voilà, exactement, qui alternera avec les lectures de textes et la musique que nous jouerons sera en rapport, en liaison. Il y aura une passerelle, évidemment. Par exemple, dans le texte de Jack Kerouac, de la Beat Generation, qui sera mis à l'honneur ce soir. Il est question de George Shearing, le pianiste. Ah oui, absolument. Et bien évidemment, on va enchaîner tout de suite avec Lullaby of Birdland, qui est évidemment un de ses thèmes phares, bien voilà, sûr. Un des grands thèmes phares de George Shearing, dont il est le compositeur, évidemment. Alors vous avez vu que je vous ai fait poser exprès devant le panneau Jazz et Polar, un petit clin d'œil éventuellement sur les auteurs de Polar, Chester Himes ou autres. Alors, les auteurs de Polar, effectivement, il y en a un certain nombre qui ont écrit sur le jazz. Mais c'est vrai que la ville de Deauville a voulu se concentrer sur la littérature américaine, la littérature française, d'accord, en mettant de côté, en laissant aux spécialistes du type Bob Garcia ou d'autres, c'est trop d'honneur. l'apanage, le privilège de présenter leurs propres œuvres. Ben c'est une super idée, en tout cas. Je vous souhaite un très bon concert et on y sera avec Jazz Actu. Merci beaucoup, Christian. Merci, Bob.